Salut à tous, c'est Hiro qui vous retrouve aujourd'hui sur de nouveau Phasmophobia pour cette dernière partie. Je vais faire un exposé rapide. Alors messieurs, nous avons donc à identifier le fantôme, on est dans la ferme. Il va falloir se débrouiller pour essayer de le spotter au thermomètre. Nos objectifs sont de l'identifier, d'obtenir une preuve d'un événement paranormal, obtenir une température en dessous de 10 degrés et une photo d'un évier avec de l'eau sale. Pour compléter l'information, le nom de l'entité est Nancy Miller. Nancy Miller. Je répète, Nancy Miller. Elle réagira avec tout le monde. Nancy Miller. Et c'est parti! Soin. Posez la caméra dans l'angle d'entrée. Là. Et on va chercher un crucifix. Ouais. Non, un thermomètre s'il y a, sinon un crucifix. Ou un MF5. A voir. Pas de thermomètre, pas de MF5. Bon, ben voilà, c'est fixé. Vous avez spoté la zone, les gars, c'est où? Nous n'avons rien détecté au rez-de-chaussée, nous montons à l'étage. Bien après, je vous suis. Détecteur dans la salle là. Thermomètre. Sûr. Thermomètre dans la salle de bain. Y'a rien? Je n'ai rien lui. Vous avez rien au thermomètre, on retourne au rez-de-chaussée. Il y a peut-être les salles dans la profondeur du salon. Là. La laverie. Buanderie, les gars, par ici. Venez ici, les gars, j'ai un os, j'ai un os. Où ça? Dans la salle de bain, là, dans la chambre d'à côté. Je n'ai rien, le MF, dans la buanderie. Il est où, l'os? À l'instant. Il est où, l'os, les gars? Je le vois pas. Les gars... Ah, j'ai 7 degrés, là. Il est où l'os? Ici, chez moi. Empreinte? Empreinte sur la porte de la buanderie. Là, tes pieds. C'est récupéré. Empreinte sur la buanderie. J'arrive pour la photo. C'est bon. On a de l'activité dans la buanderie? Moins 4 degrés dans la buanderie? Jamais une caméra. Je vais chercher du sel. Merde. Eh putain, il était là! Elle chante? Putain, je l'ai vu 2 secondes, il a disparu quoi. Salle. Hop là, ouais, non, c'est mort. Yeah. On a des mouvements d'objets dans la buanderie. Je ramène. Amenez une radio et un bouquin. Radio et bouquin, les gars.
vérifier aux caméras. Aïe aïe aïe, j'espère que j'ai bien pris la photo. Je suis pas certain. Bon, là j'ai l'empreinte, ça c'est sûr, mais la créature, non. J'ai une orbe, les gars. On a donc emprunté orbe. Température. Ça doit être un poltergeist, les gars. Ça expliquerait les mouvements d'objets. Cherchez un évier. Il faut absolument qu'il réussisse de remplir un évier. Il n'y a pas d'autre option, les gars. C'est un poltergeist. Je vérifie dans le bouquin. Si on veut la dernière preuve, c'est donc une spirit box. Je vais m'en occuper. Empreinte, orbe, il nous manque la spirit box pour confirmer. Je vais dans la salle, je vais confirmer ça. J'entends un évier ou une radio, je sais pas trop là. Je vais te dire si... Attends, laisse-moi seul dans la salle, là. Fait. C'est bon, j'ai le fantôme. Putain de merde. Ok, sortez de la salle, vite, 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 sortez, sortez, sortez. Quel est votre nom ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous ? Spirit box confirmé. Spirit box confirmé, il est dans la buanderie et il est âgé. On sort de là. Attaque. Merde. Goûte-toi, goûte-toi, goûte-toi. Éteins ta lampe. C'est bon les gars. J'ai pas l'impression qu'on aura droit à l'évier les gars. Faut se barrer, on a le poltergeist, c'est bon. On l'a identifié, on se casse, on s'extrait. On s'extrait immédiatement. Tout le personnel rejoint le camion. Ouf. Ok. Ok, tout le monde a le poltergeist, les gars. Je rappelle, il s'agit donc des indicatifs suivants. Preuve 1, empreinte. Preuve 2, orbe fantomatique. Preuve 3, on a eu la spirit box. Identification poltergeist. On y va. Ouh. Eh ben, dis donc. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Parfait. C'est donc rigueur pour cette dernière partie du spécial Halloween sur Phasmophobia. Je vous dis à toutes. Tchuss.